Bonjour, je m'appelle Alaric Tefan, étudiant accompagné Rose et également à l'université de Yaoundé 1, département des études ibériques. Et donc, j'ai reçu l'information de cette foire grâce à compagnie Rose qui a pris la peine de relayer l'information sur les réseaux sociaux et sur les différentes plateformes. Moi, je me nomme Michel Ondoa, étudiant d'espagnol à l'université de Yaoundé 1 et également étudiant au groupe Compañeros. Ce qui m'a poussé à venir à cette fois, c'est que demain j'aimerais poursuivre mes études en Europe et j'ai reçu l'information par l'intermédiaire du groupe Compañeros. Je m'appelle Aka Béatrice Manuela, je suis étudiante à l'université de Yaoundé 1 dans la filière espagnole à Master 1. Ma motivation, ce qui m'a amené ici, c'est en réalité parce que je vais améliorer mes études en langue espagnole beaucoup plus à l'étranger. L'information m'est parvenue par le biais de Compañeros, le centre d'études où je suis. Je me nomme Gekam Kenye Fabrice, étudiant d'espagnol à l'université de Yaoundé 1 et actuellement à Compañeros. J'ai reçu l'information par le biais de Compañeros et je suis actuellement ici pour visiter les différents stands qui nous sont proposés dans le but de découvrir s'il y a des canaux qui peuvent m'aider dans l'apprentissage de la langue et des langues en général. Je suis Kadjinadar Joseph, étudiant en Master 1 à l'université de Guayaquil, également étudiant du groupe Compañeros. Si je suis ici, c'est pour voir dans quelle mesure continuer mes études en Master en Espagne. Salut, je me nomme Inès Laura Kouakep, étudiante en Master 1 à l'université de Yaoundé 1 et par ailleurs membre du groupe Compañeros. En fait, ce qui m'a motivée à venir à cette fois, c'est le fait d'avoir suivi que lors de cette exposition, il y aura des présentations, des opportunités de bourse autant pour moi pour étudier dans les pays européens et africains également. J'ai eu l'information par le biais du fondateur du groupe, M. Kwame Banderas, celui qui nous a toujours encadrés dans ce groupe. Salut, je suis Ranita Tefo, je fais deuxième année en lettres ibériques à l'université de Yaoundé 1. La nouvelle m'est parvenue par le directeur du groupe Compañeros Banderas Kwame. Cette fois, elle me paraît très bonne dans la mesure où ici on nous propose des voies, des canaux à suivre pour l'apprentissage des différentes langues, des formations dans des différentes universités de différents pays tels que la Belgique, l'Espagne, entre autres. Elle m'a permis d'apprendre beaucoup d'autres choses que je ne savais pas déjà. Par exemple, on pouvait étudier en Europe et le projet pouvait être financé par l'Union européenne et bien d'autres structures, ce que j'ignorais jusqu'ici. Bon, à la fois, je l'ai bien trouvé avec les différentes opportunités que nous offrent ces pays, en particulier l'Espagne. Bon, par rapport à cette foire, nous avons fait le tour, n'est-ce pas, de tous les différents stands et ils nous ont donné des informations diverses à propos de leurs différentes universités, les filières qu'ils offrent aux étudiants du monde et bien sûr, j'ai été vraiment capté par celle du pays, l'Espagne, parce que là, ils ont des différentes opportunités pour des jeunes Camerounais. La foire m'a paru intéressante parce qu'on nous présente beaucoup d'opportunités dans le cadre des études et des bourses pour l'étranger. Après ma licence à l'université de Yaoundé 1 et ma formation à Compañeros, postulé pour une bourse en Espagne pour continuer mes études en langue. J'ai tiré un grand nombre de choses et tout ceci grâce à Compañeros que je tiens à remercier. Merci. Et je me sens bien ici parce que premièrement, on parle beaucoup espagnol ici à travers le stand Espagne et aussi je suis en compagnie de mes camarades du groupe Compañeros. Mes projets après la foire, bon, c'est de déposer un dossier pour pouvoir obtenir une bourse et aller à l'étranger. J'aimerais m'inscrire dans un programme de bourse proposé par l'Espagne. Merci. Bon, je remercie Compañeros de nous avoir donné cette opportunité-là de se présenter ici au palais en ce jour. Et merci vraiment. Mes projets après la foire, j'aimerais bien pouvoir obtenir une bourse à travers le programme Study in Europe, oui, qui me permettra d'étudier, d'approfondir en fait ce que je connais déjà dans un pays européen ou africain si possible.
Je remercie particulièrement M. Kwame Banderas qui nous a donné cette opportunité-là d'être là, de découvrir ce que plein d'étudiants espagnols ne connaissent pas. S'il y avait à refaire cette fois, à revenir ici, autant que moi, je le referais sans hésiter. Bonjour, je m'appelle Tagum Chitago William, professeur d'espagnol à Compañeros. Nous sommes ici au Palais des Congrès par rapport au Salon européen des étudiants à Yaoundé. Il est question de suivre tous les liens qui ont été proposés par le responsable des visas de l'ambassade et d'entrer tout simplement dans le site de chaque université et de proposer ce que nous envisageons faire. Donc nous disons encore merci au Centre culturel espagnol, nous disons merci à l'ambassade et nous disons également merci à l'Union européenne. Nous croyons qu'à travers ce genre de salon, les Camerounais auront encore le plaisir d'apprendre les langues étrangères. Et nous croyons que cela n'enlève en rien le caractère de Camerounais que nous sommes. Je crois qu'un Camerounais qui parle sa langue maternelle au Cameroun et qui a également d'autres langues étrangères, d'autres langues internationales, est un Camerounais qui est extrêmement riche. Donc venez accompagner Ross pour les informations additives. Nous allons vous informer et nous sommes prêts, n'est-ce pas, d'ici à là, à vous donner d'autres opportunités de voyage à travers l'Europe. Nous vous rassurons que vous pouvez être formé à Compañeros et obtenir, n'est-ce pas, un niveau d'espagnol assez élevé et cela vous permettra d'avoir des bourses et je crois que c'est une occasion qu'il faut saisir. Donc tout ce que nous vous demandons, c'est d'être au courant de tout ce que nous faisons et de suivre toutes les activités que Compañeros mène. Merci.